Ravitaillement, attention. Ah, le banc de sable là qui commence à se recouvrir d'eau. Il y a un cadeau. T'as un cadeau du Père Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va vous montrer, vous expliquer comment du jour au lendemain, on peut tout plaquer, décider de tout changer d'un seul coup, carrément de changer de pays. Voilà, et ça ne nous concerne pas, c'est pas, c'est pas nous. On vous montre ça tout de suite. Et maintenant c'est Noël. Mince, je voulais monter un beau ciel bleu. Je vais montrer un beau. Il est bleu. Bah, il est bleu, bleu le vent. On voit pas qu'il est tout bleu là. Mais parce toi, que. Tu fais. Mais t'es méchant. Parce que le soleil se lève. C'est calme en dehors. Bonjour Mimine. Mimine. Qu'est-ce que tu fais? Il a Mimi. Ah. Quand on caresse Mimi, voilà. Aïe, aïe, aïe. Non, mais là, tu me. Te caresse. Tu vois la Mimi. Et voilà, c'est la toute dernière vidéo de l'année. C'est la toute dernière vidéo de l'année. Et voilà, on va se quitter là-dessus et se retrouver dans 2 jours pour la vidéo. Non, mais c'est la dernière vidéo de l'année et on avait envie de vous souhaiter quand même une très belle année 2023, plein de belles choses et tout le meilleur qui puisse vous arriver. Je vais aller voir Féfé. Franchement, pour qu'elle me filme, parce qu'il faut que vous voyez ma dégaine là. Parce que regarde, j'ai trouvé que j'avais quand même vachement la classe avec les chaussettes. Regardez mes chaussettes. Regardez, je fais un gros zoom sur les chaussettes. Les chaussettes, entre caca. Les chaussettes et le pull par-dessus. J'ai trouvé que c'était très classe. C'est l'hiver. Je me suis dit, tu vas pas sortir comme ça. Ouais, c'est, tant pis. Fallait que tu filmes. Bah ouais, j'ai filmé. Tu peux filmer le reste maintenant. Oui. Choukran beaucoup. Bon alors, on va pas vous filmer tous les préparatifs et tout ça. On va pas faire un gros Noël de toute façon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un poulet entier. Et puis, on a fait un poulet rôti, là, qu'on va faire pour faire des toasts de rillettes ce soir. Voilà, tout simplement, on va se faire un petit apéro tranquille. Et puis après, on se fera un goûter de Noël, chacun dans nos camions. Bon, alors ensuite, on met tout le poulet, tout dépiauté, tout à mijoter, en fait, pour que ça réduise un maximum. Et surtout qu'il soit très, très tendre pour le mixer. Voilà, donc il se dépiote tout seul. Je vais ajouter des carottes, j'ai mis du poivre, un petit peu de citron, des oignons. Et voilà, et une fois que ce sera bien mijoté, après on mixe tout et ça fait des rillettes, on n'a plus qu'à laisser refroidir. On peut les manger chaudes aussi, nous on aime bien les manger chaudes. Alors hier c'est Esprit Terre et puis les copains qui sont partis faire du bateau sur la lagune. Là aujourd'hui, donc il y a Loïc et Vinciane. Elle est là. Encore nous ! Encore nous ! On va se tasser dans un bateau. Il y a Kiki et Féfé dans un autre.
avec mes parents aussi et Pierrot. Voilà, et on va aller faire le tour de la lagune. Bonjour. Qui le beau ce pépère. Allez ça. Ouais. Beau ce camion. Magnifique. Allez, on y va, on y va, on y va. Mon petit bonjour dans chaque vidéo. Ah, bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Enfin, on est au milieu de la vidéo là maintenant, hein. Mais c'est bon, pas grave. Bonjour. Hein. Il y a toujours ma tête dans une vidéo où je dis toujours. Super rassurant, il y a Loïc qui dit, vous aussi vous allez à la noyade. Il vous plaît. Et alors regardez, petit Noah, il a emmené, comment il l'appelle? Il dit ça c'est sa carpe. Il dit c'est sa carpe. Combien tu la vends ta carpe? Combien tu vends ta carpe, toi? 1 euro. 1 euro. 1 euro. Ah bah c'est pas ce que tu nous as dit, tu nous as dit 10 dirhams. Non, 1 euro. Ah 1 euro, on est revenu en euro. Et oui, parce qu'avec 10 dirhams, il peut faire un tour de voiture. Donc, pour 10 dirhams, il vend sa carpe. Ce soir. Et les enfants, hier, ils se sont éclatés. Hein. Alors, regardez, voilà nos petits bateaux. On va s'installer là-dedans. Ah. Bah, moi, allez, pas... ah, bravo. J'ai pas pensé à ça. On est venu adapter. Je fais ma petite bourgeoise condescendante. Ça te va si bien. Attends. Ah non, pas de problème. Non, il y en a. Vous avez qu'à enlever vos chaussures. Regarde. Ah, ça va. Viens, viens. Allez, c'est bon, je monte. Allez, c'est bon. Alors, on va finir dans l'eau avec eux. On va partir la chaîne. Ouais, mais du coup, en fait, on s'est habitué à du même côté là. Olé. Ça y est. C'est bon? Il manque plus que Loïc. Alors on s'assoit où là? Alors les filles, asseyez-vous. Mais tu l'assois quand même. Bah tu l'assois. Oh, sur les bords. Ah t'as c'est bon. Noah, tu veux pas te mettre devant toi? Non. Vous voulez vous mettre où les gars? Vous voulez vous mettre derrière les gars? Non. Non. Alors il y en a sur les. Tu seras peut-être mieux. Ouais, non, j'allais dire Noé, il est peut-être un peu trop fort. Si, Noé, il peut se mettre là avec Franck. Ouais, je sais pas, vas-y, on va faire contre. Attends. Le petit bouchon, il va où, le petit bouchon? Comment il t'a clashé? Les pieds, ils touchent pas par terre. Moi non plus. Est-ce que demain... Est-ce Attends, ça Noah. M'étonne pas. Oui. Va plutôt avec... va avec les filles devant, non? Il va rester derrière. Ouais, bah écoute. Bon, on a perdu Franck, il a déménagé le bateau. Allez, au revoir, hein. On est serré, on part au cinéma. Ça y est, commence. Ça y est. Hop, démarrage. Démarrage. Arrête de montrer ta tête, montre le paysage. Ouais, ils vont pas être déçus. Ils vont couler à côté. Là, vous allez voir, regardez, ça va être trop beau. Et en plus, on n'a pas de vent. C'est pas toi qui dis que c'est pour la noyade. Ça vous rappelle des souvenirs, non? Alors là... Ça y est, on a plus de rattraper.
Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Ici, là. Hop, oh, bon, on verra pas plus. Ah ouais, c'est là qu'ils font les grillades, en fait. C'est le petit restaurant, quoi. Trop fort. Ça va mieux, Loïc ? Ça va, regarde. Allez, c'est bon. Le pauvre. Ah ouais. Allez, on les voit là-bas. Il fait la zone pour le bateau pour la nuit, il y a des gardiens. Ah, je ne sais pas si vous voyez, donc toutes les bouées, c'est des corps morts. Et les maisons et là-bas, les bateaux restent là pour être gardés la nuit. Si les maisons là-bas, c'est à parcourir. Pour d'accord. Les magasins, pour l'élevage des huîtres. D'accord. Arrête de couiner, Capucine, arrête de couiner. Tu vas passer par-dessus le bord. On va passer sous la quille. Ah bravo! Quoi? J'ai bravo. Alors en fait, là il y a toutes les tomates ici, les plantations de tomates, et en fait les tuyaux d'eau ils passent en dessous jusque, oui, là-bas. Jusque là-bas où il y a le puits en fait pour arroser les champs. La nuit, les parcs à huîtres. Ah oui. Ah oui. C'est ça, de se sauver, vous avez des huîtres. Les huîtres sont se sauver. Sans des petites pattes, bien, pas presque. Et là, il y a les plongeurs. Elle leur ramasse des poissons. Ah, cormoran. On va, ça va être dur de voir. Je vais prendre le téléphone. Là-bas au fond, il y a les flamants roses. Ils sont loin. Ah, j'ai les petits noix. Hein. C'est pas évident de les filmer, mais ils sont là. Attention. Ah, en France, c'est un Romi. J'ai pas y aller. Pierre, oh, il double. Regardez Franck, il nous a abandonné. Il est de l'autre côté. C'était trop lourd. Ah, t'étais trop lourd. Normalement, on devrait passer devant le palais là-bas. Ravitaillement, attention. Ah, le banc de sable là qui commence à se recouvrir d'eau. Alors lui, il a cru que s'il rentrait à la nage, il payait moins cher. C'est pour avoir une réduction. À contre-courant, c'est pas facile. Hein. Vas-y, démarre, marche arrière. Kefta. Il est parti, papy, oui. On va remplir l'eau. On va remplir l'eau, mais on va vous montrer où est-ce qu'on va remplir l'eau. Opération spéciale. Allez, on prend les petites rues de Walidia. C'est pas très large quoi. C'est pas très très large, non. C'est quoi qui chie ici devant hein.
je sais pas où c'est. C'est juste là. C'est juste là. Ah oui, alors par contre, t'as le trottoir et tout, c'est pas évident. T'as le poteau devant, tu veux pas que je descende? Tu vas pas tourner. Hein. Allez, Barbouille, il est posé. C'est la maison de papy et mamie. Il est pas assez long comme je l'ai dit. Voilà. Alors ils se sont dit qu'ils s'installeraient bien au Maroc, juste en face de l'océan, voilà, avec les dunes. Donc on vient remplir l'eau direct chez papy mamie. Allez, bienvenue chez papy mamie. Bienvenue chez papy mamie. Moi, parce que j'ai vu hier, elle est trop belle. Alors, ils ont un grand salon pour être 25 à table. Qui auront pas, mais la cheminée, la télé, hop, un grand couloir, une chambre, avec une petite salle de bain, une autre grande chambre, avec une autre salle de bain. Et après, par ici, une la salle de bain. Public. Hop. Là, voilà, la salle de bain publique, c'est ça. Et ma pièce préférée. Et. Et la cuisine. Voilà. La grande cuisine avec la table. Ouais, il manquera des petits tabourets, là. Et voilà. Ça y est, maintenant, ils n'ont plus qu'à s'installer. À faire le voyage en France avec le camping-car pour aller chercher les affaires. Pas les meubles, parce que bah, la maison, elle est meublée, donc c'est très bien. Voilà, une grande maison pour un montant de... De 5000 dirhams, c'est-à-dire 447 euros. Voilà. Et des charges de environ 15 euros par mois. Voilà, eau, électricité, plus 15 euros par mois. Voilà, ce qui fait 480 euros à peu près. Voilà. Oui, on a vu la cheminée et tout ça. Et ils sont vraiment juste en bord d'océan. C'est pas des... Ah, c'est des rangements ? C'est des mets. Les deux. Magnifique. Noah, tu vas faire tomber la télé. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'installer. Voilà. On a les fils à linge qui sont déjà installés. C'est déjà tout en fleurs. Puis l'avantage ici, c'est qu'il y a le soleil quasiment toute l'année. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Et voilà, donc ils étaient tombés amoureux du Maroc. Et puis maintenant, à la retraite, ils se disent bah, qu'en fait, ils resteraient bien vivre ici. Donc voilà, ça y est, ils ont pris une maison. Ils vont peut-être mettre le camping-car en gardiennage, puisqu'il est trop vieux pour être immatriculé ici, a priori, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, ils verront au fur et à mesure. Sinon, ils le mettront en gardiennage et ça leur permettra de partir en vacances avec le camping-car. Et voilà, l'eau c'est fait. Et la petite maison, elle est là. Elle est sympa, cette petite maison. Elle est chouette, hein. Elle est chouette. Ça doit être bon, hein. Alors, Mamie, elle fait les gambas. Et Mimine, elle attend son cadeau de Noël. T'as envie, hein. Hein, tu veux ça? Oui, voilà. Allez, cadeau de Noël de Mimine. Voilà. Viens, ma Mimine. Joyeux Noël, Mimine. Et contente. On a dit qu'on faisait un petit truc simple. Bon, c'est petit truc simple, mais tout le monde avec sa patte. Alors du coup, ça fait un grand truc simple. Voilà. Bah, non, ça fait plein de petits trucs. Plein de petits trucs simples. Vinci. Combien des paillets en inox, il y en a ? Quoi ? Vinciane, elle prépare les mojitos. C'est bien. Yo-Yo, il prépare le... Non, Yo-Yo, il nous enfume. Pour les moustiques. Il appelle les Indiens. C'est pour les moustiques. Ah oui. Allez, vas-y. Pas de moustiques. Non, par contre, Charlotte est dans le coin. Elle est où, moi, hein? Le Canada, c'est par là. Parce que la fumée va toujours vers Charlotte. Donc, je dirais que le Canada doit être dans le coin là-bas. Là-bas, de là-bas. C'est ça. Hein? C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Et Loïc, il nous a fait quoi? Loïc, il nous a fait. Une frite. Attendez, je vous montre. Non, mais attends, bouge pas. Regardez. Oh là là, et il a fait ça bien. Ma copine, elle appelle Morito, merci beaucoup. Ils ont ramené le saucisson, on a les gambas, les rillettes, le popcorn. Et
On a ramené le pâté de porc pour Noël. Hein? Ouais. Oui, 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 on a fait les rillettes. Et là-bas, il y a Opération Marshmallow. Je peux en manger? Tu veux griller un peu? Tu veux qu'il y ait la croûte dessous? Oh! Oh, bah on est bien là, hein? Moi je vous dis, hein! Fais rien. S'il te plaît. J'avais eu un cadeau à Yo-Yo. Alors ça, ce que j'allais dire, c'est le cadeau à Yo-Yo. Oh, le cadeau à Yaya. Oh non. On a fait du papier cadeau réutilisable. Non, je sais pas. Bon alors, les gars, on a fait très très original. Mais on savait pas vraiment quoi faire, hein. Donc on va savoir quoi en faire, mais... Voilà, exactement, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Merci bien. Capu, elle a eu du Naruto. C'est un cadeau pour vous. Ah bon, t'as un cadeau pour moi? Alors Noah, il a eu un petit garage. Voilà, il est content, papa, il fait du montage. C'est le moment de montage pour que les parents boivent l'apéro tranquille, ça, en fait. Et voilà, on s'est activé à tout ranger. Et puis on va tous rentrer. Hop, le petit feu il finit de brûler. On va tous rentrer dans nos petits chez nous pour regarder un film avec nos enfants respectifs, comme promis aux enfants, et manger des desserts de Noël. Oui. On va où, Noah? T'as rangé? Oui. Parce que si t'as pas rangé. Allez, viens vite. Viens vite, viens vite. Et on clôture ce réveillon de Noël par un petit tour de voiture. Maman? Oui? Moi, j'aime bien les multicolores. Quoi, maman? Allez chercher Yaya! Allez chercher Yaya! Alors c'était un réveillon tout simple, vraiment tout tout simple. Mais les enfants ils sont contents et puis c'est le principal. À chaque fois que je me force, je me laisse pas vomir. Mais oui, faut pas que tu te forces à te nousser. La 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 la
plus, il a pas mangé tout le gâteau. Il a pas mangé tout le gâteau. Il a bu toute l'eau. Il a bu toute l'eau. Il va faire un cadeau. T'as eu un autre cadeau du Père Noël. C'est que t'as été assez sage. Il était quand même venu faire le câlin, dis donc. T'es venu faire le câlin quand même. Mais j'aurais pas pensé. Le câlin c'est sacré. Mais non, le câlin c'est sacré. Après on va voir si c'est la même route et qu'il est en même voiture, le bus. Ah peut-être. Chacun la maman. Le câlin c'est sacré. Câlin du matin. Rien ne peut empêcher le câlin du matin. Rien ne peut empêcher le câlin du matin. Du papier. Ah bah oui, c'est un cadeau. Viens, 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 viens sur le nid. Viens sur le nid. Viens. Bonsoir. Je l'ouvre tout seul. T'es sûr que c'est à toi? Oui, c'est à moi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé pour toi, le Père Noël? C'est le train. C'est un train? Dommage, je voulais que ce soit le bus, mais c'est le train. Bon, t'es content quand même. Viens, t'es content quand même. Ben oui. Mais c'est un train avec des rails. Ben oui. Il roule tout seul. Excellent. Attends, casse pas tout. Oh là là, ben, faut vite se lever pour monter ça. Hein. Alors t'es content, mon petit chat? Je vais tester. Après, si tout passe en dessous. Je suis pas sûr là que ton train il passe en dessous. Oh, mon s'il avance à fond peut-être. Peut-être que si t'avances comme ça, mais je suis pas sûr. T'es content? Oui. Oui. Tiens, tes panneaux de la route. On peut mettre ça ici parce que ça il y a ça. On peut dire en train d'aller par là. Là t'as un cône. Après tu sais tu peux faire. On peut dire au train de pas aller par là parce que là il y a les voitures qui passent. Et tu peux faire un pont en truc en bois. Hop là. Voilà. Wow, ça c'est du tunnel. Clic-clic-clic-clic-clic-clic. Allez, copains sont partis. Et puis on va quitter Walidia. On a passé combien de jours ici? Je sais pas. Ok, bon bah du coup on se voit pour le moment. Voilà, on se voit bientôt. Donc on va y aller là, on va prendre la route. On a une petite heure et demie de route. Allez hop, attention, à dessous. Direction, on sait pas trop où. Je me rappelle plus comment du nom du village, on est passé en. Oui. A bientôt. Un petit vendeur de poissons. Ouais, c'est le monsieur à qui on achète les poissons d'habitude. Tout le monde est venu nous dire au revoir. A bientôt, Inch'Allah. Bah, de toute façon, mes parents ils restent vivre ici, ouais, donc on reviendra. Ouais, sûr. De toute façon, tout ça s'est joué au niveau de la prolongation de visa. En fait. Ah oui. Si on a la prolongation de visa, oui, on va repasser ici parce que c'est un coin qui est sympathique. Si on l'a pas, on repassera sûrement ici de toute façon. De toute façon, oui, pour prendre l'avion à Gaza. Voilà. Bon, de toute façon, on vous expliquera tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!
barbouille, ça passe pas partout.